Et y'a plus amis, on se retrouve sur la suite de la vidéo de découverte un peu du serveur privé, hein, voilà. Je suis quelques secondes après avoir quitté la vidéo, vous allez avoir un écart considérable entre les deux, mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, tant que je suis chaud, je continue à explorer le serveur en vidéo, voilà. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, voir un peu ma progression niveau 27 à 63, je vous invite à aller faire un petit tour, checker. Hein. Donc j'ai choisi de faire Blade hein, pour la simple et bonne raison que je pense que Blade c'est le job le plus simple. Hein, voilà, tout simplement. Et j'ai encore eu un bâton du gardien. Tu drops du gardien à foison, mais j'ai pas eu de gardien pour moi. Encore. Encore, mais en tout cas, voilà, pas très bon serveur privé, hein. Je le dis en soi, hein, c'est pas un mauvais serveur privé, bien sûr. C'est juste que, pour l'instant, ben voilà, ce qui est chiant, c'est comme dans tous les serveurs privés, le jeu se passe principalement tard. Enfin, pas maintenant, quoi. Je veux dire que déjà, d'une part, oula, je prends cher dans la gueule, j'aurais pas dû me taper contre eux, là. Je suis débile un peu. Je suis débile un peu. Hop, on va fouder, là. J'ai mis la foudre. Hop. On va utiliser des trucs, je sais pas ce que c'est. La foule, elle est où? Elle est là. Hop. On va éviter de mourir parce que bon, on peut le tuer, hein. On peut le tuer évidemment, mais c'est galère. J'ai pris des trucs en plus qui me rajoutent 23K d'HP, du coup, ce qui est quand même insane. Insane. On va ouvrir ça. On va le prendre. Hop. Ça. On va le prendre. Hop. Hop, comme ça je fous, voilà. Je suis à 23K d'HP, je l'ai démonté tard comme le fou, comme un fou. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais bon, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à venir vous abonner. Mettez un petit like pour savoir si ce genre de contenu vous plaît. Surtout commentez, hein, dites-moi un peu ce que vous pensez aussi du serveur, hein, c'est important. Si vous avez d'autres serveurs. Si vous avez d'autres idées de gameplay vidéo, parce qu'on m'a proposé du World of Tanks, on m'a proposé plein de choses. Enfin, plein de choses, voilà, on m'a proposé des trucs. Hein. Je rappelle que je suis un petit youtubeur hein, et que ce que je fais, voilà, ça va toucher plutôt un public d'averti, entre guillemets. Hein. Faut être honnête, hein. Voilà. Mais bon, moi, en soi, ça m'est totalement égal. Pourquoi? Mais parce que ça m'est égal, voilà. C'est juste que c'est trop bien. C'est trop bien de faire des vidéos comme ça aussi, de pas, je pense, avoir cette pression sociale de refaire une vidéo en qualité, enfin une vidéo en, pour enfin de pas avoir la pression de si je veux faire demain une vidéo sur les grains de beauté, je peux faire ce que je veux, c'est ça qui est cool. Évidemment, je l'ai dû sur une vidéo il y a quelques temps, que c'est quand même, bon, triste à dire, égoïste peut-être, mais c'est aussi un peu ma chaîne. J'aime bien aussi partager avec vous des choses, mais aussi ce que je propose aussi, c'est des trucs qui me plaisent. Voilà, je vous le dis, c'est des trucs qui me plaisent principalement. Donc vous avez vu, j'ai fait des vidéos sur le triathlon, voilà, qui veut dire que, enfin, qui veut dire que, qui n'a pas du tout marché, hein, faut être franc. Ça vous a pas plu, soit parce que quand on fait un truc sur YouTube, on est enfermé dedans et pour en sortir, c'est difficile, voire impossible, où il faut vraiment attendre d'avoir eu beaucoup plus d'abonnés. Hein. C'est ça le problème. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais bon. En soi, voilà, je suis bloqué. J'ai l'impression que toutes mes vidéos Flife, grosso modo, elles fonctionnent. Mais tout ce qui est en dehors de Flife, hein, Black Desert Online, j'ai fait du Left 4 Dead, j'ai fait du... J'ai un personnage qui est intervenu. Les vidéos, ils n'ont pas forcément marché. Hein, c'est un peu décevant. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. C'est décevant. Et puis voilà, je vais pas pleurer. Voilà, on fait YouTube aussi par passion. Hein, voilà. C'est vrai que quand on a de la visibilité, un impact, c'est quand même plus important. On va pas se le cacher. Hein. C'est vrai que moi, je vous fais du flash que vous aimez bien. Mais je vais plus faire que ça, vous le savez très bien, hein, je vais plus faire que ça. J'ai commencé une web série sur mon matos triathlon. Je sais pas du tout ce que ça va donner encore. Pourquoi? Mais parce que à l'heure actuelle où je tente cette vidéo là,
Ce n'est pas, elle n'est pas encore sortie. Je pense qu'elle va pas fonctionner à vue de nez. Hein. Je pense. Hein, bon, de toute façon, je peux le dire. Voilà, c'est sur la montre Garmin. La Garmin, voilà, ma montre Garmin qui est juste ici. C'est une vidéo simple parce que voilà, je parle un peu de la montre grossièrement. Hein, je fais pas de tests. De voilà, c'est pas trop mon rôle. Oh purée, avec Knuckle du Guardian. Franchement, je suis jaloux. J'aime vraiment. Ce Knuckle est trop beau. J'aime trop de ouf. Mais bon. Voilà, en soi, ça voilà, je sais que ça va pas fonctionner, très clairement, mais bon. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va fonctionner, hein, mais bon. Vous êtes tous, oula, j'ai un super focus qui n'est, voilà, qui marche pas bien. Hep, allô, voilà, focus sur moi. Donc, voilà, c'est triste à dire, surtout que maintenant, aussi, je vais peut-être vous proposer aussi, j'ai envie... Je vous avoue de vous proposer du gameplay, du jeu vidéo, mais sportif aussi. Je vais sortir une vidéo un jour. Et j'aimerais à court terme, même rapidement, proposer, je vous le dis clairement dans la vidéo, j'aimerais proposer du Zwift. Hein, si tu connais pas Zwift, c'est pas grave. Hein, c'est juste que t'es pas forcément adepte de ce sport-là. Zwift, en fait, c'est une application, je ferai une vidéo dessus. J'en parlerai peut-être parce que là, à l'heure actuelle, j'attends mon home trainer connecté. J'ai acheté un petit home trainer de chez Tax. Hein, c'est un très bon home trainer. Hein, pourquoi? Mais parce que déjà, d'une part, c'est un home trainer que j'ai pris qui coûte très cher. Il coûte 800 euros sur le site Garmin. Hein, et surtout, oh, j'en ai une maintenant, super, j'aurais pu gagner de l'argent. Il coûte très cher hein, sur le site Garmin. Et surtout, parce qu'il est connecté et qui te permet de faire de jouer à un jeu vidéo sportif hein, un jeu à un jeu vidéo sportif qui est du coup Zwift hein. Et Zwift en fait c'est un jeu aussi sportif et communautaire hein, qui te permet de jouer avec les joueurs du monde entier hein. Et surtout hein, faut être clair et net, c'est à dire qu'il y a énormément de joueurs. Il y a même possibilité de devenir bon, à part, enfin d'être pro, hein, si tu as quand même un très bon niveau, tu peux être reconnu, tu peux jouer en pro quand même. Vous imaginez un peu le truc de fou. C'est grâce à ça, si tu joues en ligne, tu peux t'as des courses. Oh le jeu beau, trop beau. Tu as des courses hein, qui te permettent. Tu as des courses quasiment tout le temps. Tu peux faire des courses contre des gens en fonction de ta FTP, tout ça. C'est-à-dire que. De ton poids, ta puissance, tout ça. Mais voilà, c'est très bien. Après, je pourrais, de toute façon, je ferai une vidéo en truc. Mais ce qui serait bien, c'est quand, si un jour j'ai la fibre, ou pas du tout, ou même filmer. Il faut que je mette sur mon PC. Comment ça s'appelle? Je sais pas si j'ai le Bluetooth sur mon PC, il faudrait que j'aille voir. Après, voilà. Si j'ai pas le Bluetooth, il faut que j'achète une antenne qui me permette. Ah, 2G là, d'un coup, normal. Qui me permet de voilà qui me permettrait d'avoir le home trainer connecté sur le PC fixe parce que j'ai un PC fixe hein, mais bon là je vais jouer sur mon portable, on peut jouer sur tablette, on peut jouer sur PC portable, je vais jouer sur mon MacBook hein. Voilà, on peut faire tout ça. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, donc c'est quand même une tuerie. Je vais pas arrêter de m'entraîner à l'extérieur, mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y aura des entraînements à suivre. Hein. Voilà, ils proposent des entraînements triathlon, entraînement force, entraînement VO2 max. Voilà. Je sais pas si je vous parle chinois, tout ça, parce que bon, c'est vrai que dans ma vie, j'ai des passions qui sont claires et nettes, hein. D'autres qui sont récurrentes depuis des années. Hein. Donc mes passions sont globalement. Depuis des années le sport hein. Mais bon je fluctue un peu sur le sport, c'est à dire que j'ai des moments ça part, c'est un peu chiant, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à être assez constant sur le sport, donc du coup il faut toujours du nouveau, changer de sport ou enfin c'est trop bizarre. Le jeu vidéo voilà, c'est vraiment une passion qui me plaît. Voilà, donc ça, j'ai deux passions qui sont chronophages, voilà. Et enfin la tech, c'est vrai que la tech, tout ce qui est nouveauté pointue, truc un peu connecté, tout ça, c'est un truc qui me plaît. Mais bon, ça, c'est arrivé un peu plus tard dans le temps. Et aussi, qui arrive aussi plus tard dans le temps. Du coup, les deux passions principales depuis que je suis jeune, depuis que même je suis né, c'est
le jeu vidéo et le sport. J'adore me surpasser, j'adore le sport. Hein, voilà. Et voilà. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est un peu le côté connecté, domotique, tout ça, modernité, évolution, tout ça. C'est vraiment un truc, encore, je drop au taquet. C'est incroyable. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui me plaisent énormément. Je vous le dis, entre vous et moi, c'est ultra, ultra cool. Hein. Après, on va faire peut-être que je change de stuff là. On va monter 75, je pense, si on va arrêter la vidéo. Hein. Voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup. Et voilà, comme je vous ai dit, il y a... Ah putain, mais je drop... Alors, chapeau fille, ça c'est garçon, ok garçon. Est-ce que j'ai des bottes? Est-ce que j'ai des bottes? Non, j'ai toujours pas de bottes. Voilà ça, et là, récemment, le jardinage, voilà. J'ai un grand frère qui a 10 ans plus que moi, qui jardine depuis quand même plusieurs années. Et bon, après moi au fond, on est dans une maison maintenant, et pour moi jardiner, vous voyez, c'est j'aime bien un peu le côté manuel des choses aussi, faire des choses par soi-même, créer des choses, et puis aussi manger bien, sainement, et manger ses propres fruits et légumes, c'est un truc qui me plaît pas mal. Donc là, je me suis lancé dedans, donc je me suis acheté des livres pour m'enseigner un peu sur le système de permaculture. Ça, si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas à en parler aussi en commentaire. Permaculture, je me suis acheté une tronçonneuse, je sais style. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où j'habite, il y avait des gens, il y a une sorte de champ, enfin j'habite autour de champs, entre guillemets, et parmi ces champs-là, il y avait des arbres qui n'ont pas été entretenus, qui du coup, soit j'achetais un taille-haie, et du coup, bah, je taillais la haie juste au niveau de chez moi, ou soit, ben du coup j'étais un peu plus fou et j'allais couper vraiment ces putains d'arbres là plus loin, du coup à la racine presque, voilà. Donc du coup j'ai acheté une tronçonneuse de chez Steel, hein, voilà. Parce qu'à la base je voulais faire ça à la main, tu sais, à la serpe ou à la hachette, ou à la hache tout simplement, et la hachette c'était plus simple. Voilà, je me suis dit allez, je vais tout faire à la main, ça me coûtera moins cher. Je suis allé là-bas, il m'a dit tu vas passer une éternité. Et écoute, il a eu raison, le vendeur. J'ai déjà passé une éternité sur le truc en soi. En soi, j'ai passé une éternité. Pourquoi? Mais parce que à la tronçonneuse, c'était long. Parce que j'ai minimisé le travail. Hein, parce qu'il y avait des arbres, mais il y avait aussi plein de sortes de plantes en plus. C'était compliqué, quoi. Donc du coup, j'ai passé 2 jours, je crois, complets. 2 à 3 jours complets. Pour tout élaguer. Et encore... Tu le dis ou non, mais j'ai pas fini, il me reste 1 mètre à faire de S, il y avait 10 mètres de S à peu près, ce qui est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc j'ai du putain de taf. Voilà. Et donc là j'ai fini de presque tout tailler. Hein. À qui dis-tu c'est cool. Hein. Sauf que. Voilà, maintenant il y a du déchet vert. Enfin du déchet vert, du déchet vert, des bouts de bois. Et donc du coup, on m'a prêté un broyeur. Les parents de mon meilleur ami avaient un petit broyeur de chez Lidl là. Bon voilà, c'est pas un broyeur de compétition, mais ça broie. Mais le problème c'est qu'il faut que tout ce qui est branchage, tout ça, soit plutôt linéaire. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit trop qu'il y ait des branches partout. Pourquoi? Mais parce qu'en fait tu peux pas du coup les mettre dedans parce que ça va bloquer. Parce que le trou est petit, c'est un petit broyeur quoi. Voilà. Mais bon, l'avantage d'avoir un broyeur et de faire du broyeur, enfin d'avoir un broyeur, ça permet d'avoir des déchets verts qui me permettent de faire du mulchage sur mon terrain, tout simplement sur là où j'ai fait mes parcelles. Voilà, ça permet de faire vivre la terre, tout simplement. C'est super, c'est génial, qui est issu. Mais bon. Ah, je dois payer une axe. Je fais même pas de faith, voilà. Donc voilà, c'est le jardinage, c'est la passion récurrente. Donc cette année, je commence, 2020. J'ai fait mon potager le 31 décembre 2021. J'ai commencé, j'ai prédéfini mes parcelles. J'ai fait 3 parcelles de 3 mètres sur 1. 3 mètres de longueur et de largeur, 1 mètre, un peu plus d'un mètre. Donc je pense que j'ai un peu plus de 10 mètres carrés, je pense, un peu plus de 10 mètres carrés, je pense. Voilà. De parcelles faisables, même plus, parce que j'en ai fait une parcelle qui est un peu plus loin pour mes fraises. Et j'ai fait une parcelle devant chez moi qui ensoleillait toute la journée, peut-être pour
mes petites tomates, cerises, mes tomates tout court. Hein. Donc, après, l'avantage aussi, faut dire que j'ai acheté mes fraisiers cette année-là, aujourd'hui, là, enfin cette année 2022. Et c'est des plantes qui sont un peu, je sais pas le nom exactement, mais qui vivent tout le temps, hein, qui meurent pas. Et quand tu les as plantées une seule fois, à la limite, même ça prolifère beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Hein. C'est un peu des sales plantes, on va dire, mais c'est cool. Franchement, c'est grave cool de ouf. Voilà, j'ai essayé de planter cette année. Je pense pas que je vais faire de semis. Hein. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas encore acheté de CR et j'ai pas encore, je pense, le recul nécessaire sur tout ça, tout simplement. C'est vrai, hein, je sais pas encore comment faire du coup des semis, quand faire des semis, même ne serait-ce que comment planter quoi que ce soit à n'importe quel moment. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Toucher plus de 1%, waouh, génial. Donc voilà, on va voir ça, je vais voir ça ensemble, je vais voir ça cette année. Après, peut-être que je ferai des vidéos sur cette passion, peut-être que non, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous chaufferait ou pas. Putain, ça commence à devenir un petit peu long le jeu. Hein. J'ai plus autant la patience, de jouer à Five qu'avant. Hein. À part si vous me donnez de la force, tout ça. Mais bon, après, bon, c'est vrai que je vous avoue que j'aimerais aussi beaucoup live. Ça rendrait le côté beaucoup plus ludique, hein, sincèrement. Je vous le dis en soi. Pourquoi j'ai fait ça n'importe quoi? C'est quoi ça? Attaque plus 15%. Ah ouais, trop bien. Attaque plus 15%, ça tape beaucoup plus fort ou pas? Ouais, bon, je suis pas non plus une machine de guerre, mais... voilà, point de gardien, ouais, tu XP pas mal, hein. Table d'usage 5K. Tu les bang bang. Mais bon, je sais même plus ce que je disais. Ouais, j'aimerais bien live aussi, le live. Le côté aussi partage, moi j'aimerais bien. C'est vrai que ça rentre dans le jeu vidéo aussi. C'est pour ça qu'aussi, j'ai fait une chaîne sur Five, parce que je me suis vu que la communauté française était pauvre. Et malheureusement, elle restera toujours pauvre. Malheureusement, ce jeu, je pense que je peux le dire, il est... voilà, dites-moi si je me trompe, mais je pense que ce jeu, il est... voilà, il est mort, hein. Il est clairement mort. Hein. C'est un jeu, voilà, en perdition, qui meurt. Hein. Il n'a pas... voilà, il y a de la nouveauté grâce au serveur privé. Voilà, l'officiel, ça évolue pas, ça bouge peu. Puis même... tu vois, avant ce jeu, je l'ai kiffé parce que je trouvais ça trop cool, les personnages, tout ça. Puis ce côté un peu social aussi, tu vois, jouer avec mes copains, il y avait beaucoup de monde. Voilà, c'était génial. Mais bon, après, voilà, il y avait le côté aussi... moi, j'ai jamais été trop côté bête et méchant, tu sais, où tu tapes, enfin... tu farmes, tu... enfin, moi, ça me pète un peu le cul, c'est un peu mon défaut. De taper, enfin de tuer pour tuer, tu comprends, c'est pas... je suis pas forcément fan, tu vois, je te le dis entre toi et moi. Pas forcément fan du truc. Voilà, c'est long, c'est fatigant. Enfin, pas fatigant, c'est... voilà, tu cliques, tu tues surtout. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le côté où il faut que tu sois efficace dans ce jeu. Donc du coup, pour être efficace, il faut que tu aies un très bon stuff qui, du coup... ah, je crois que je vais pouvoir... changer de 4 city, ouais, c'est super. Ok, donc là je vais pouvoir, du coup, voilà, je vais pouvoir, je crois, faire mon stuff. Alors ça, ok, j'ai les gants, hop, les chaussures, hop, j'avais reçu du courrier. Pourquoi j'ai reçu du courrier? Ah, trop bien, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, j'ai gagné un truc de malade. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais ça vaut rien en fait. Ça vaut rien, ça me donne pas de force et tout. Ah non, c'est sur la place de mes lunettes. Ok. Ouais, mais les lunettes, c'est mieux de ouf quand même. Ça me donne des stats. Ouais, merde. Pourquoi il y a vous? Ok, ouais. Ah, mais bon, voilà. Donc on va monter 75, les amis, encore 3 niveaux. Et ça sera du coup la fin de ce petit gameplay que j'ai enchaîné du coup avec, la vidéo qui sortira il y a quelques jours, où je serai habillé pareil, hein, voilà, où je découvre toujours ce serveur, où je fais les premiers trucs. Voilà, les premiers niveaux.
On tape fort, on fait mal un peu, c'est cool, c'est bien, ça me fait plaisir. Bon, par contre, on drop pas mal de stuff, c'est cool. Moi, j'aime bien. On commence à dropper du stuff 75. Fille, merde. Et donc là, on est sur du PV plus 1. Ah ouais, on est sur du 25 000 de PV. Attaque plus 20%, donc on est sur des dingueries. On est sur la dinguerie, on va se le dire, entre toi et moi. Hein. C'est pas mal, j'ai réussi à stuffer mon stuff. Hein. Voilà, on a beaucoup de trucs du chevalier quand même. Hein. Beaucoup de trucs du chevalier. Mais bon. Voilà, comme ça, je vais pas tarder à aller travailler, moi, en plus. Donc là, j'en profite de faire les vidéos. J'ai la chance de commencer tard, moi. Mais bon, la chance, oui, non, je ne sais pas. Ah, fille, encore beaucoup d'illustres filles. Mais en tout cas, ouais, mon staff est bien. Ouais, on se fait taper quand même. Hein. On se fait taper assez sévère. Hop. Pourquoi j'ai... Le staff de Vagab. Mais bon, ouais, comme je disais, Flife, c'est vrai que... Bon, j'y joue parce que j'aime bien. Mais c'est plus la même ferveur que ça aurait pu être avant. Parce que déjà, d'une, il n'a plus mon meilleur ami du jeu. Il joue plus trop, voire même plus du tout. J'ai plus personne, c'est vrai que je me retrouve assez tout seul sur le jeu et c'est vrai que voilà, ça tue le jeu aussi d'un côté. C'est vrai qu'avant on jouait ensemble, on s'engrainait, c'était cool de ouf. Mais bon, après il faut aimer ce jeu, Moi bon, j'aime ce jeu, hein, mais voilà, on grandit, j'ai une famille, tout ça, je peux plus non plus. J'ai eu ma période, hein, YouTube qui m'a permis d'avoir ma notoriété autour de Flife, hein, et ça c'est cool, hein. Je vais pas cracher dessus, tu comprends, mais. C'est vrai que j'étais beaucoup plus fan du jeu avant quand même, hein, je te le dis, hein, entre toi et moi. Hop, 6K, voilà, on commence à taper pas mal. Hein. Allez, plus que un niveau déjà. Allez, un niveau et c'est la fin du game pour moi. C'est la fin, ça va faire une petite 21 minutes quand même. Ah oui, le jeu il commence à piquer du cul. Hein. Bon, il commence à piquer du cul, on fait de l'XP. Blablate tranquillement, hein. Voilà. Après, je vais voir, hein, les gars. Je vous dis très clairement, est-ce qu'on va continuer à jouer sur ce jeu ou pas? On va voir ça ensemble, les gars. Mais clairement, je sais pas si ça vaut le coup ou pas de continuer sur ce jeu ou pas. Je ne sais pas, je sais pas. Franchement, c'est un serveur privé. Le problème du serveur privé, c'est que il se peut que ça soit instable. Toute leur base de données aussi peut être très instable. Yes, j'ai une épée. J'ai débloqué aussi la carte des timutants, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi il parle de carte. Drop. Voilà. Ah, c'est un... Ah, d'accord, ok, on peut l'ouvrir. Ok. Ok. Je vais dropper une autre carte, non? Ouais. Hop. Voilà, j'ai utilisé les cartes au KLM. Ça, je l'utiliserai jamais, je pense. Oui, j'ai une tête à utiliser ça, là. Voilà. Ouais, tu drops pas mal de choses. 75, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez hop, on finit. Hop, on finit le niveau. Tranquillou, pile est où? Tranquillou, pile où? Ce serait bien que je stuff mon stuff directement. Hop. Allez. Purée. Waouh. Purée. Bon allez, après, on va arrêter la petite vidéo, les amis. C'est vrai que ça fait quand même. Waouh, yes, j'ai l'isto. Pas mal. PV. Ah celle-là, elle me plaît pas mal. Hein. Moi, le truc de PV, moi j'aime bien. Je m'en fous, moi, de la force. Je suis à blindax. Niveau force. Besoin de plus. Et voilà. Niveau 75. Voilà, est-ce qu'on peut mettre les deux? Normalement oui, on peut mettre les deux. On peut mettre les deux normalement. Voilà. Donc j'ai un mélange des deux. Trop belle. Moi je trouve que je préfère vraiment celle-là. On va voir si ça change quelque chose. Bon du coup j'ai plus mes armes. Bon enfin bref. Trop stylé. Franchement, j'aime bien. Vraiment bête, c'est vraiment la best mission quoi. Bon bah voilà les amis, écoutez, une petite vidéo de 25 minutes quand même plutôt long. J'espère que vous aura plu. C'était vraiment une vidéo chill, débat, blabla, patati patata. Enfin, débat non, mais plutôt blabla de ma part. Voilà. Bon écoutez les amis, pareil, abonnement, like, tout ça. Puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, zoubi.